aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si j'ai la voix du matin, c'est normal puisque je filme cette vidéo le matin avant de partir au travail. Il pleut donc la luminosité est certainement nulle, mais ça fait deux fois que j'essaie de la tourner et deux fois que ça crache. C'est simplement une petite vidéo rapide pour vous dire trois trucs. Tout d'abord, je suis prise en école de sage-femme. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de l'avancée de la chose. Je vous notais en barre d'infos à chaque fois au fil des vidéos la progression de ça. Mais je sais pas si tout le monde lit la barre d'infos, donc je vous fais une vidéo. En fait, le 9 juin, je me suis retrouvée sur liste complémentaire. Donc voilà, j'étais 49e sur les 30 qui prenaient. Enfin, 49e sur 400, mais ils en prenaient 30. Et du coup, j'étais pas prise. Mais la liste complémentaire allait jusqu'à la personne 93, il me semble. Puisque, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo maïeutique, il y a beaucoup de personnes qui prennent maïeutique et médecine, mais qui veulent médecine et qui prennent maïeutique au cas où. Parce que les spés sont quand même assez proches. Et du coup, là, cette année, il y a eu 19 désistements. Et le 23 juin, j'y arrivais. Et le 23 juin, je me suis rendu compte que j'étais 20e voilà, sur les classements définitifs. Donc je suis la 20e d'une petite classe de 30 futures sages-femmes. Donc je pense que sur les 30, on va être que des filles ou un ou deux mecs, d'après le groupe Facebook que j'ai vu. Oui, parce que les personnes là-bas sont très très réactives, c'est-à-dire qu'à peine les résultats ont été postés, il y a déjà eu un groupe Facebook de la nouvelle promo. Donc c'est cool, c'est plus convivial que la passesse où on est beaucoup trop. Je pense peut-être faire tutrice aussi à Bordeaux, donc tutrice soit de spé maïeutique, soit du E7. Donc peut-être que s'il y a des futures passesses bordelais ici et que je suis prise, je pourrais vous faire le tutorat. Voilà, ce serait bien marrant. Donc voilà, je suis partie pour 4 ou 5 ans, je pense. Bon, j'hésitais quand même pas mal entre ça et la fac de bio pour faire des recherches de transfert génétique. Mais c'est vrai que les places en thèse, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Et même après avoir fini la thèse, trouver un job, enfin bon bref. Là au moins, la sage-femme, c'est la sage-femme. Disons que c'est un boulot assuré et un truc qui normalement va me plaire. Et du coup, comme ça, je pourrais continuer, si vous voulez, à vous faire des vidéos tous les ans sur comment ça se passe en école de sage-femme. Voilà, et aussi d'autres vidéos sur la passesse, puisque je serai quand même encore un peu dans le main. Je pourrais vous faire des vidéos sur comment c'est tutrice, ou je pourrais faire plein de choses encore liées à la passesse. C'est super, je ne sortirai jamais de ces deux années de torture. Et ensuite, deuxième truc que je voulais vous dire, c'est juste merci, puisqu'on a dépassé la barre des 500 abonnés. Je crois qu'on est 502, 503, un truc comme ça. Grâce à mon All Action, alors chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisque je pensais au contraire que les gens s'en foutaient, mais je crois que Action doit avoir une fanbase. Et la vidéo a beaucoup plus explosé que les autres. J'ai eu plein d'abonnés. C'est cool, je vous remercie. Et enfin, troisième chose et qui fait que je filme cette vidéo ce matin, parce qu'il faut qu'elle soit en ligne samedi, j'espère qu'elle sera en ligne samedi, puisqu'il y a un meet-up organisé à Bordeaux demain, donc à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, donc le dimanche 2 juillet à Bordeaux. Donc il y a trois youtubeuses qui réalisent ce meet-up, donc Manon Mu, qui est ma préférée, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, je l'aime beaucoup. Agathe Dairy, que je suis depuis approximativement 5-6 ans quand elle a commencé. Et Megan Enco, que je suis depuis plus récemment mais qui est très cool aussi. Donc ce sont trois youtubeuses bordelaises, si vous ne les connaissez pas, lien en barre d'infos. Le meet-up se déroulera de 14h à 18h, alors où, je ne sais pas, je vous l'écris là. Et de toute façon, je vous mets le lien de la page Facebook du meet-up en barre d'infos. Et tout simplement, j'y serai, voilà pourquoi je vous parle de ça, j'y serai pour les voir, mais aussi si vous venez pour vous voir. Bon, je ne veux pas transformer ce meet-up en meet-up passesse, mais je sais que Manon a fait passesse aussi, elle a fait une vidéo à ce sujet, et c'est vrai que c'est toujours plus simple de vous en parler en vrai que de répondre à vos quinzaines de messages sur Instagram en Insta direct ou sous les commentaires. Là, c'est vrai que se parler de vive voix, c'est toujours mieux. Donc s'il y en a un ou deux sur mes 500 abonnés qui sont de Bordeaux et qui peuvent se libérer ce dimanche, pourquoi pas faire une première rencontre. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo rapide du samedi qui n'était pas prévue. Je pense qu'on va faire une autre vidéo mercredi pour compléter.
plu, tu peux liker, tu peux t'abonner à la chaîne comme d'habitude et faire partie de mes 500 abonnés chéris. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !